Et salut, c'est Cébus. Allez, Franchise Express, saison 2, Outback australien. Donc voilà, on va commencer par un prologue, hein, pour mettre un peu en place cette nouvelle saison. Du coup, nouveaux os, bien évidemment. Alors vous verrez pourquoi je fais ce prologue, parce que j'ai beaucoup de choses à expliquer, à mettre en place. Alors, désert, Océanie. On va se mettre en difficulté moyenne, pour voir déjà la différence avec la première saison où on était en difficulté facile. Et pour une troisième saison, bah, on passera à hard, difficile, voilà. Australian Outback. Pourquoi Australian Outback Zoo. Ah, on peut pas écrire plus que ça. Alors Australian. On va recommencer, hein. Outback Zoo. Voilà. Nickel. Créer le zoo. Alors, le truc, c'est qu'en franchise, on est d'accord, on n'a pas de l'argent à foison. On va tout de suite faire pause. Regardez un peu. Autour, donc on est dans un désert total. Ok, pourquoi il y a des trucs comme ça? Bref, donc on est dans le désert, ça jusqu'à les miens. Donc on est en franchise, en mode franchise. Il faut se rappeler, je suis un peu sombre sur ma caméra, j'espère que oui, non, ça. On est donc avec un budget initial de 40 000 dollars, enfin, zoo dollars, je sais pas comment on dit. On a 971 feuilles. Bon, d'accord. Les premiers défis, ça va être défi de boisson, étant donné qu'on est dans le désert. Ok, et évidemment, pour commencer, il y a tout ça à mettre en place, sinon on ne peut pas avancer. Alors, la première chose qu'il faut se rappeler, c'est qu'étant donné qu'on est en franchise, je vais dire beaucoup de fois le mot franchise, regardez, le problème, c'est qu'on veut faire australien, mais rien n'a été découvert, et oui, le problème, c'est que quand on part en franchise, on a uniquement les choses du jeu de base, le reste, donc Amérique du Sud, Arctique, bah, c'est pas compliqué, hein. Regardez, il vous faut un atelier, bon, on verra quand on aura un atelier, bref, vous aurez compris qu'il va falloir faire travailler donc notre personnel sur les recherches, décoration. Oh, le rototo, il est passé comme ça. En recherche sur l'Australie. Voilà. Parce que les allées, ça, c'est pas un problème. Hein. Vous pouvez le voir. On va le voir tout de suite. Elles y sont. Tac. Alignées sur la grille. Hop, hop, hop. Alors. Hop. Hop, 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 hop. Hop. Alors, effectivement, les barrières, ça pourrait être intéressant. Ça pourrait être intéressant de les laisser parce que vous êtes un peu dans l'esprit, ouais, on verra. Donc ça, il n'y a pas de souci. Au niveau de la nature, je vous rassure aussi, regardez, si on fait pack de contenu, pack Australie, tac, on a nos superbes arbres que je vous ai présentés hier. D'ailleurs, si je fais ça, est-ce que je perds de l'argent? Ah oui. On avait vu que ça faisait perdre de la thune parce que ces arbres-là, on les supprimera quand on aura de l'argent. Et si je fais ça, je retrouve mon argent. Oui, c'est bon. Parce que je voulais juste vous faire voir. Alors, donc, et je vais y arriver. Hein. Il va falloir se dire aussi que d'un point de vue animaux, regardez, on va se mettre comme ça. On va pouvoir mettre uniquement. La blatte, voilà, le cassoar à casque, 2, le crocodile marin, alors ça c'est pas mal, ça fait 3, évidemment le dingo, on en est à 4, on a, que je me trompe pas, on recule, on descend, le koala, 5,
Le kangourou 5, le koala 6. Ensuite, on a le monstre de Gila. Non, c'est pas d'ici. On en est à 6. On en est à 6. On en est toujours à 6. Tac, 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 tac. Et ben alors, c'est tout ce qu'il y a. Le Goliath, non, il vient pas de là. Le 5. Le 5. À langue bleue. Ce qui nous en fait 7. Le scopandre géant, il ne me semble pas que ça vienne de là. Ça non plus, ça non plus. Le serpent brun, 7. Tamanoir, pas du tout. Le titan non plus. 7, 8. 8. Voilà. On va avoir que 8 animaux. Donc, animaux, comme les gâteaux, pour ceux qui s'en rappellent. Donc, il va falloir se dire que ça va être un petit zoo. Alors, évidemment, le nombre, vu qu'on a presque 4, on a 7, donc on a presque quoi? Je crois que c'est 4. 4 animaux, qui vont dans les vivariums. Donc, il va y avoir évidemment un espace vivarium. Alors, il se pourrait. C'est ce qui pourrait être intéressant, c'est de le placer. Donc ça va être un petit zoo, fatalement, hein, ça va être un tout petit zoo. On pourrait placer l'espace vivarium au milieu. Et après, autour, il y aurait donc Dingo, c'est ça, Dingo, Koala, l'espèce de bestiole, l'espèce d'autruche chelou. Et puis un espace pour les dingos. Voilà. Et on pourrait, je pensais faire aussi spécifiquement un espace éducation des clients, en fait. Et dans tout ça, il faudra qu'on mette évidemment du restaurant, des toilettes. Restaurant, toilettes. Enfin, restaurant, c'est boisson, nourriture, hein. Toilettes et puis magasin de souvenirs, choses comme ça. Du coup, ça va être, comme je le disais, un petit zoo. Alors, question. Je voudrais tester quelque chose. On va faire comme ça. Si je fais ça, ça va, je perds pas d'argent. Donc, là, on partirait du principe donc qu'on a la zone. Elle sera pas aussi grande que ça, mais la zone des reptiles. Ensuite, on a donc ici. On aurait ici, pardon, roche lisse. On va faire comme ça. Un premier enclos. Un deuxième enclos. Troisième enclos. Et quatrième enclos. Et même, je dirais, cinquième enclos. Parce que si on se rappelle bien, crocodile marin, je vais y arriver. Kangourou, koala, dingo. Et puis le 5 machin. Alors ça sera pas forcément dans cet ordre-là, hein. On essaiera de voir comment on pourrait faire. La question aussi, c'est qu'est-ce qui pourrait être intéressant du point de vue des crocodiles? Ce serait que cela serait que le chemin passe. Vous voyez? Que j'aimerais faire un truc, parce que ça, je l'ai pas encore fait. Et le truc, c'est que je sais pas dans quelle mesure ce serait faisable. C'est-à-dire qu'en fait, ce que j'aimerais, c'est que le chemin fasse pont. On descend sous l'eau. Pas sous l'eau, hein, pas couvert. En fait, il y aurait l'espace aquatique donc des crocodiles. Et que les clients puissent descendre légèrement pour avoir une vue, un peu comme les hippopotames à Bobal, une vue underwater. Des crocodiles. Donc ça, déjà, va falloir s'atteler. Dans tout ça, il faudra aussi qu'on place les trucs du personnel. Donc il se pourrait que, vous voyez, je suis en train d'y réfléchir là, mais finalement, non, c'est comme ça. Alors je reconnais que pour l'instant, c'est peut-être pas forcément ce qu'il y a de plus intéressant hein, comme épisode. Mais il faut qu'on réfléchisse à tout ça. Donc, ouais, parce qu'il va falloir faire enclos, 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 enclos. Au milieu, est-ce que ce serait pas mieux au milieu l'espace? Oui, c'est ça l'idée. C'est que je pense qu'au milieu, il serait plus intéressant d'avoir l'espace
commercial. En fait, au milieu, on ferait un espace avec un petit restaurant, un ou deux magasins, tout ça dans l'esprit, en mode outback. Et ça partirait, le chemin partirait par là, par là, par là, par là, par là, et par là pour rejoindre la sortie, bien évidemment. Et après, bon, on pourrait avoir plusieurs chemins, on n'est pas. Voilà. Ça serait pas mal, effectivement, de faire un truc en étoile. Centre au milieu, commercial, toilette, ben, tout le bazar. Et du coup, derrière les enclos, il pourrait y avoir l'espace du personnel. Ça pourrait être pas mal. Je pense que c'est un bon compromis. Ce que je vais faire, c'est ça. Hop, je vais vous expliquer ce que je viens de faire. Je vais juste prendre une photo de ça pour qu'on puisse se remémorer à peu près pour le prochain épisode ce que l'on a décidé. Donc, si vous regardez bien, ce qui est intéressant, c'est que on va pouvoir, en faisant vite un bâtiment comme celui-ci, donc le centre de recherche, donc plutôt l'atelier, que l'on. Alors, il y a plusieurs choix possibles. Ça, je vous laisserai me le dire dans les commentaires, parce que là, on va vraiment rien construire. Hein, c'est vraiment un prologue. On va poser donc un atelier. Alors, soit on le met dès le départ comme ça. Et fatalement, bon, on l'habillera plus tard, sachant que l'atelier pourrait être très bien être pas loin de l'entrée. Genre là, ici, ce que je proposerais, c'est de mettre tout ce qui me concerne. Enfin, bah, il n'y a que l'atelier en fait. Atelier et une salle de pause à la rigueur qu'on mettrait ici pour comment dire, pour que on puisse. Une fois ça posé, attaquer directement les recherches, c'est-à-dire les ouvriers là feraient direct de la recherche sur l'Australie. Donc tac clac ici, on va essayer de comment on pourrait faire pour que la neige non. Allez, on va dire sable fin. Donc ici, ah, ça veut pas. Non, alors on va faire terre lourde. Le problème, c'est qu'on est à moitié de début de journée. Donc ici, ce serait plutôt l'espace technique, mais vraiment purement technique, qui n'a rien à voir avec les animaux. On pourrait même s'amuser à faire un garage pour les potentiels véhicules et tout ça, voilà, qui eux feraient. Voilà. L'idée, c'est que voilà, je pense que le zoo sera guère plus grand que ça, donc il y aurait une route circulaire pour aller ensuite, hop, 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 vers les divers enclos. Je sais pas si vous voyez l'idée, va falloir que je reprenne une photo du coup. Hop, je la prends tout de suite. Ouais, ça pourrait être pas mal. Je vous laisse me dire en commentaire ce que vous pensez de cette projection, de cette première partie de projet. Est-ce que je voulais vous dire, oui, voilà, c'est ça. C'est est-ce qu'on fait un atelier qu'on pose et qu'on décorera plus tard, en outback, vraiment rester dans l'esprit outback une fois qu'on aura tout découvert. Ou alors, on pose tout simplement un truc comme ça, qui peut encore. Qui reste raisonnable dans l'esprit atelier, garage, tout ça. Enfin, un peu comme celui-là. Vous voyez, l'atelier africain, ils ont fait un truc comme ça. Mais là, le problème, c'est que il est déjà tout prêt. Est-ce qu'il ne serait pas plus intéressant? Déjà, ça coûte moins cher au démarrage, on est d'accord. Et plus intéressant de laisser du brut comme ça et de le travailler plus tard. Voilà. Écoutez, c'était donc le premier épisode de la franchise express Australian Outback. Pas beaucoup de construction, même rien du tout. C'est peut-être pas le plus fun, mais c'est celui qui m'a permis de vous expliquer vers quoi on va se diriger. Alors, franchise, ça sera certainement un à deux épisodes par semaine.
un peu comme avant. Alors avant c'était 3, mais là je vais peut-être alléger un peu pour avoir le temps 1 de vous faire des vidéos de qualité maintenant que je ne fais que ça, que je ne ferai rien d'autre. Et je vous rappelle qu'il y a la saison 3 aussi de Planète Zoo bac à sable que je dois faire avec notre ami Sfreux. Du coup, eh ben, il faut laisser de la place à tout le monde parce que en plus maintenant, je ne saurais vous le rappeler, il y a les live Twitch. Alors les live Twitch qui pour l'instant se passent tous les samedis et dimanches car je peux. Il se pourra qu'après, suivant mon emploi du temps professionnel, je sois obligé de faire soit d'autres jours, soit de passer pendant une semaine de me passer de Twitch. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit. C'était Cébus, je vous salue bien bas, je commence à être de plus en plus dans le noir, donc on va arrêter là, allez, tchuss.